Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Alors cette année, nous avons décidé de te mettre à l'honneur. La perche est aujourd'hui une activité qui est en plein développement sur la Flèche avec l'athlétisme Sarthe-Loire 72. Raconte-nous comment tu es venu à la perche. Eh bien, il y a 3 ans, mon entraîneur a décidé de nous initier à la perche, histoire de voir ce que ça donnait et voir si on aimait bien ça. Et au fur et à mesure, on s'est entraîné de plus en plus. Et maintenant, on en fait régulièrement. T'entraînes combien de fois par semaine à la perche et est-ce que tu continues d'autres disciplines de l'athlé? Alors oui, je continue d'autres disciplines. En fait, avec mes études, j'ai l'occasion de m'entraîner au Mans. Donc je m'entraîne 2 fois par semaine aux 400 mètres haies au Mans. Et en dehors du travail, quand je peux, je m'entraîne 1 fois par semaine à la perche, en dehors des vacances. Rappelle-nous un peu ton cursus scolaire et où tu en es aujourd'hui. Alors actuellement, je suis en première année de STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives. Je viens d'avoir ma première année, donc je vais continuer encore pendant 5 ans normalement. Rappelle-nous quand même ce que faisaient tes parents, parce que c'est pas un hasard aujourd'hui si tu fais de la perche et si tu es en STAPS. Je pense qu'il y a aussi une filiation naturelle avec tes parents. Alors oui, mon père est un ancien footballeur et un nageur, et ma mère a fait aussi de la natation. Et donc lui aussi, mon père a fait aussi de l'athlétisme, donc ouais, c'est un peu de famille. On pourrait presque imaginer que tu aurais pu te mettre aussi au triathlon, vu les disciplines de tes parents, vu ce que tu as fait étant jeune. Est-ce que tu y as pensé à un moment donné? Oui, j'ai pensé, j'ai même fait un stage de triathlon pour essayer, mais avec le vélo, en fait, c'est pas du tout mon fort, donc j'ai laissé tomber l'idée. De tes performances aujourd'hui en perche, à quelle hauteur tu arrives à sauter en compétition? Alors aujourd'hui, j'ai un record en salle à 4,10 m et un record extérieur à 4,01 m que j'ai réussi l'année dernière. Et là, mes ambitions, c'est au minimum 4,20 m en extérieur pour essayer de me qualifier au championnat de France. Alors 4,10 m, ça veut dire que tu as la meilleure performance en Sarthe, junior et senior confondus, c'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Le second perchiste derrière toi arrive à quel niveau à peu près? Il me semble que c'est un espoir, il est à 3,80 m. D'accord, donc tu as quand même aujourd'hui une avance assez marquée en termes de résultats sur le plan du département. Quelles sont les choses que tu dois changer ou améliorer pour franchir les paliers que tu souhaites à l'avenir et progresser dans tes sauts? Alors, il y a une grande phase technique. Va falloir que je prenne un peu en masse musculaire pour résister. Parce qu'en fait, plus on veut monter haut et plus on va devoir prendre des perches rigides et longues. Donc, je vais devoir changer de perche et aussi améliorer ma technique musculairement parlant. Quand on regarde les perchistes à la télé ou même quand je te vois à l'entraînement ou quelques images que l'on a vues en compétition, on est toujours impressionné par la technique du renversé. Alors la tête en bas, quelle impression ça fait? Enfin, on est curieux de savoir en fait quelle impression ça fait d'avoir la tête en bas. Raconte-nous un peu. Bah en fait ça va assez vite quand même, mais ça fait drôle parce qu'en fait on se sent monter tout seul, on a les pieds en l'air et au final dans cette phase de renversée on est assez passif, même s'il faut quand même rester assez tonique, mais ouais, ça fait un effet, comment dire, un effet où on monte, on se sent élevé tout seul. En fait, c'est la perche qui fait le travail à ce moment-là. Je suppose qu'au départ il y a une forme d'appréhension donc sur cette technique-là. Oui, au début, oui, avoir la tête en bas, c'est pas forcément évident, mais au fur et à mesure, on arrive à passer par-dessus ça. Dis-moi, Alexandre, quelles sont tes ambitions là, à très court terme en termes de hauteur à franchir? Alors, j'aimerais bien franchir 4,30 m officiellement, voire 4,40 m, parce qu'il faut savoir qu'à l'entraînement, j'ai réussi à passer 4,40 m, mais en compétition, c'est plus difficile. Avec la barre, il y a un effet psychologique, et donc il va falloir que j'arrive à surmonter ça, mais j'aimerais bien faire au minimum 4,30 m en extérieur. Quel conseil tu pourrais donner aujourd'hui à un jeune sportif ou à un jeune perchiste pour allier sport avec cette notion de compétition et les études en parallèle? Ben, il faut s'accrocher, il faut persévérer. Il faut savoir que si on arrive à fournir le maximum de travail dès qu'on a du temps libre, ben, on trouve toujours un peu de temps pour s'entraîner. Donc il faut vraiment s'accrocher et puis persévérer pour réussir à progresser, hein, c'est sûr. Merci Alexandre. De rien. Allez, barre à 4 mètres. Merci pour le temps de vous laisser faire votre partenariat.